Bonjour à tous, le public s'impatiente un petit peu ici au stade Groupama. Il faut dire que le coup d'envoi est tout proche. On ne change pas l'équipe qui gagne, bien sûr. Hervé Matou et Pierre Ménès pour vous commenter ce match. Au programme du jour, un match amical, international. On devrait assister a priori à un bon match, hein, Pierre. Il se présente bien ce match, je suis content de le commenter avec toi, Hervé. C'est la France qui engage dans cette première période. N'Golo Kanté. Anthony Martial. Mbappé. Diadé Samaseku. La petite passe en cloche. Essaye de trouver la faille. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Le corner en direction du point de pénalty. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que. Ah, il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Griezmann. N'Golo Kanté. Ah, elle passe en profondeur, attention. Il a démarré un petit peu vite. Les Bleus qui abordent cette partie en qualité de favori. Allez, le danger certainement avec Kylian Mbappé. Et le ballon qui va revenir à l'adversaire. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Mbappé. Kylian Mbappé, attention parce qu'il a du monde autour de lui. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Haïdara. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Allez, il faut centrer. Attention à cette action. Ça va être le but. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Le réalisateur qui nous propose de revoir ce centre en retrait. En football, comme on dit, c'est l'arme absolue. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses, hein. Deux joueurs contre le gardien, c'est inratable. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Paul Pogba, Mbappé. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. Paul Pogba. Oh, le but, l'égalisation! Alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien, qui a quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau. Et voilà donc à égalité un but partout.
Marega. Bien protégé ce ballon. Ouais, pas terrible ce ballon. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Ah, il a commis la faute là pour couper cette attaque. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Ouais, à cette distance, c'est déjà un exploit. Hein. Antoine Griezmann. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Abdoulaye Diaby. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Regardez Sama Sekou. Ballon rendu à l'adversaire. Ousmane Dembélé. Il y va tout seul. Ah, c'est contré. Non, 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 ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Il y aura donc 1 minute de temps additionnel. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Il a du mal dans cette rencontre, hein, Antoine Griezmann. On attend généralement plus, hein, de ce joueur. C'est affligeant. Hein. Il est d'une passivité incroyable à certains moments. Là, je ne vois pas comment il pourrait être décisif et faire basculer la partie. Voilà, c'est reparti. Paul Pogba. Ouais, le ballon qui est sorti, ça va être une sortie de but. On revoit cette faute, synonyme de carton jaune. Oui, c'est même très limite comme intervention. L'arbitre aurait pu mettre un carton d'une autre couleur. Ouais, pas bien joué là de la part de Mbappé qui rend le ballon à l'adversaire. Ouais, il résiste. Bonne protection de balle. Il cherche une solution. Ouais, le défenseur intervient au dernier moment. Ouais, c'est sorti. Ce sera une touche. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Le ballon récupéré par Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. Mbappé qui frappe. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Corner repoussé par le gardien. Haïdara. Abdoulaye Diaby. Kanté. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Et le but. Le but pour l'équipe de France. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui, en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Il mène à la marque désormais 2-1.
Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Ah, ça circule très bien. Hein. C'est bien joué. Mbappé. N'Golo Kanté. Fernand Mendy. Petit peu de maladresse de la part de Fernand Mendy. C'est bien récupéré là par Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé. C'est Fernand Mendy qui est à la réception. Pour Ousmane Dembélé. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Dibassi. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. L'équipe de France qui part à l'attaque. Ouais, ça c'est très bien défendu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Haïdara. Diadé Samaseku. Voilà, Voyer. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Allez, dernière. Allez, il peut y aller tout seul. Ouais, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, bien donné encore une fois. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, le but encore une fois. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ousmane Dembélé. C'est récupéré. Et voilà, c'est terminé. La fin du match, Pierre, et donc la victoire à domicile. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'Ousmane Dembélé dans cette rencontre? Un match intéressant avec un but, bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui.